les garçons. Coucou tout le monde. Maël. Coucou. Coucou tout le monde. Coucou Chris, coucou Maël. Comment ça va? Très bien. Alors, très bien, les copains. Quelle vidéo on fait aujourd'hui les garçons? Alors, on va faire une vidéo sur une poule. Ok, alors juste à tout de une suite. Une poule, pas les poules. Ok, à tout de suite. Alors, donc là, Chris est en train de mettre les matelas pour Maël, puisque Maël est parti chercher sa tablette et qu'il veut être. Voilà, il aime bien s'allonger sur les matelas comme ça. Ah, bah, il est dans la chambre. Oh, voilà, donc il est tranquille. On ira le voir tout à l'heure un petit coup. Et puis, nous, on va continuer la vidéo, ok? Ouais. Allez, go. Et comme on vous disait, regardez Maël. Ça va, Maël? Mais il est bien posé, tranquille. À tout à l'heure, Maël. Tout à l'heure. Alors, donc pour les copains et donc pour les abonnés qui n'auraient pas vu nos deux vidéos précédentes, on vous avait fait une vidéo où on vous présentait Deadpool, donc nos premiers poussins. C'était une vidéo début août. Je vous mettrai le lien juste en dessous, au-dessus de la vidéo si vous souhaitez la voir ou la revoir. Et ensuite, on vous avait fait une deuxième vidéo où là, Maël et Cristiano vous présentaient les deux nouveaux poussins arrivés dans le poulailler. Alors, on va faire une rapide présentation pour ceux qui n'auraient pas vu ou alors peut-être qui ne se souviennent plus. Ou qui n'ont pas vu l'épisode, on a montré les deux. Voilà, exactement. Alors, tu nous refais une présentation? Alors. Tu restes en haut de l'arbre comme ça? Oui. Moi, je suis okay. Bien ici. Alors, vas-y. Alors, on commence par laquelle? Comme tu veux. Ok, bah, alors, celle qui est au milieu, je pense que vous l'avez tous. Je pense que vous l'avez tous. Alors, c'est qui celle du milieu? Deadpool. Voilà, donc Deadpool. Petite chipeuse. Donc Deadpool, en fait, c'est notre premier poussin. Hein. Oui. C'est le poussin, c'est le premier poussin qu'on a adopté, qu'on a fait une vidéo spécifique dessus. Oui. On l'a eu début août, on l'a eu, il avait même pas 2 mois. Donc maintenant, c'est un poussin qui a 3 mois et demi. 3 mois et demi. Ouais, Deadpool maintenant 3 mois et demi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la blanche là qui était vers vous. Donc juste ici. La chipeuse là. C'est Alberto. Alberto, elle aime bien chipper. Alberto, c'est une estomac sur pattes. Elle court à fond et quand elle a fait peur, elle prend le bout et elle part. Ah ouais, elle mange tout le temps. Donc Alberto, donc c'est une poule qu'on a eue fin août et maintenant donc elle a 3 mois. Voilà, donc ils ont 15 jours d'écart entre Deadpool et les deux autres poussins. Ils ont 15 jours d'écart. Donc Alberto, donc maintenant elle a 3 mois. La blanche. Regardez ça, elle n'a pas trop peur. Non, maintenant elle est moins peureuse qu'avant. Oui, et ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Alors, la noire. La noire, donc c'est Lucas. Donc Lucas, donc pareil. C'est regardez, une. Elle a un petit peu de peur. C'est la plus peur qu'on a. Voilà, c'est la plus peureuse. Elle est encore peureuse, celle-ci. Donc, Lucas, c'est la noire. Et donc, elle est née également. Autour du 20 juin, donc elle a eu également 3 mois. Vous voyez pas qu'en fait Deadpool et Alberto se ressemblent? Oui, en fait on sait que c'est la même race parce que regardez vers le cou de Deadpool, il y a des taches. Et aussi Alberto, elle a des taches. Oui, on s'est rendu compte en fait que les deux là. Regardez ça, elle a des taches là derrière. En fait, ils vont se réfugier sous l'herbe de la pampa. Ça, c'est pour être tranquille. Ouais, en fait, on s'est rendu compte en fait que Deadpool et Alberto étaient de la même race. Et se ressemblaient beaucoup. Exactement. Et donc, pourquoi cette vidéo sur les poules? Et donc, sur une poule en particulier? Qu'est-ce qui se passe avec qui? Alors déjà, qu'on rassure les abonnés, est-ce que les poules vont bien? C'est pas quelque chose de grave. Très bien. C'est pas quelque chose de grave, donc. Non, c'est pas grave. Ok, alors qu'est-ce qui se passe avec qui? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je pense. Non, c'est pas qu'on pense, maintenant on est sûr. Oui, oui, alors, nous ça on est sûr, déjà. Mais eux, ça va être très dur pour savoir. Au début, quand on vous l'a montré, on avait dit que c'était une poule. Oui, alors de qui on parle déjà? D'abord, on parle de Deadpool. C'est Deadpool, donc c'est le premier poussin qu'on a eu. Je pense que vous savez. Au début, on avait dit que c'était une poule dans la vidéo où on l'a montré. Oui, parce qu'en fait, les gens qui nous l'ont donné. Et aussi, hors vidéo, on disait que c'était une poule. Parce que les gens qui nous l'ont donné, nous l'ont donné en pensant que c'était une poule. Et ouais, il vient vers nous. Donc en fait, les gens qui nous ont donné d'être poule, nous ont donné ce poussin en pensant que c'était une poule.
Et en fait, c'est un coq. Eh ouais, c'est un coq. Parce qu'en fait, deux matins, papa, genre, il va au boulot, comme dame. Mm-hmm. Et là, papa, il entend. Et oui. Pas très fort. Ici, vers le poulailler. Ouais. Après, il entend des vrais, genre, des coqs. Cocorico, ça, c'est les autres. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, il entend. Cocorico. Un petit cocorico tout faible. Mm-hmm. Et là-bas. Exactement. C'est-à-dire, on était sûr. Et le deuxième matin, il entend encore. Cocorico. Voilà, donc genre, en fait, genre, notre poule n'est pas une poule, mais c'est un coq. Genre quand il fait cocorico, c'est vers 7h et 7h30. Voilà. Moi, quand je me lève, c'est vers 8h. C'est-à-dire, je peux pas entendre les bruits cocorico. Oui, parce qu'en fait, papa, là, nous sommes. Quel jour on est là au moment où on tourne? Nous sommes dimanche. Et 26. Et en fait, jeudi matin, papa est parti un peu plus tard. Il est parti un petit peu plus tard, donc vendredi aussi. Les deux matins, il est parti un petit peu plus tard au travail. Il est parti vers 7h15 du matin. Et donc, c'est là où il a entendu des poules chanter. Et oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous rajouter, Chris, pour finir cette vidéo, en fait? C'est qu'en fait, comme on a un coq et des poules, ouais, on va avoir des œufs, ouais, et des poussins. Et ben oui, forcément. On va avoir des œufs avec nos deux poules, donc Lucas et Alberto. Et comme nous avons un coq dans le poulailler, on va avoir des poussins. Des œufs bien frais, comme ça on n'a pas besoin d'y aller au marché pour aller chercher. Exactement. Ben on a besoin juste d'y aller dans le jardin et aller chercher les œufs. Exactement. Est-ce que tu es contente finalement d'avoir un coq? Oui. Parce que finalement c'était pas prévu, hein. On pensait vraiment que c'était trois poules. Doucement, Maëlle. Voilà, tout doucement pour faire un petit câlin. Vas-y. Au secours, il y a Maëlle qui vient nous embêter. Un petit coquin. Vite, elles vont se réfugier là-dessous. Maëlle, t'aimes bien les poules, hein? Oui, hein? On va finir la vidéo ici. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous. Et à bientôt. Au revoir, Maëlle. Au revoir. Au revoir, Maëlle. À bientôt. Au revoir, Chris. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao.